Bonjour tout le monde. Et en fait, nous, l'an J, jour J-8, ça veut dire nous aurions été 8 jours pour nous arriver le 15. Donc, on est le 15, c'est dernier jour pour que COB, que sénateur et député te bail pour ensemble de ministères dans le gouvernement, fini. Ça veut dire que à partir du 15, il y a besoin de COB. Si pas grand-rien qui dit, il y a après à le fermer encore. En fait, qui ça nous connaît, qui ça a discuté. Et en fait, négociation a pas avancé. Il faut nous dire pour tout le monde que, et d'après un pile acteur, faut à supposer qu'il y a un accord au plus tard lundi. Pour qui ça? Parce que, on dit, et parce qu'il y a une loi au niveau de Chambre des députés a qui demandait que, pour qu'il y ait à peu près 3 jours d'avance, pour que le congressman nous ait une loi pour être capable de lire avant pour voter. Donc, si vous voulez respecter 72 heures de temps, ça, donc, au plus tard, il t'a supposé. Lundi, en pile, monde te souhaité que pour rejoindre encore ça samedi. Qui Jean Bagala y est dans le moment où on a parlé là? Et en fait, il dit que tu as semblé qu'il y a un consensus que, eh bien, pral gagne un accord. Il dit que tu as semblé qu'il y a un consensus. Ça dit. En fait, il y aurait été 3 piliers. 3 piliers, on dit bien 3 points. Que tout le monde mette d'accord sur ça, faut gagner l'argent qui pourrait être en place sous technologie. N'a pas les deux. Nous connaissons que le véritable point de mise en place, c'est au niveau du département Homeland Security lié. En fait, ils mettent d'accord pour gagner plus de cob pour technologie, pour gagner plus de cob pour personnel. En fait, nous toujours dans cause de l'immigration. Mais tout, ils ont parlé de cob tout pour border barriers. En fait, faut faire différence entre border wall et border barriers. Lundi, border barriers, ça veut dire capable fence. Donc, en fait, détail, il faut qu'on discute. Maintenant, c'est ça que parler là. Ça veut dire détail, ça veut dire que qui structure barrière ça? Ok? Est-ce que c'est fence? Puisque nous connaissons, on va parler de border wall, non? Il va parler de border barriers. Donc, il capable fence et détail, ça, pour qu'on discute. Donc, c'est détail, ça. Maintenant, border, ça pour nous. Point commun pour nous, ça pour nous dire en substance, c'est que ni House Speaker Nancy Pelosi, qui est leader au niveau de Chambre des députés, ainsi que leader Mitch McConnell au niveau du Sénat, eh bien, yo bay, eh bien, commission ça qui formait du sénateur et député républicain et démocrate, yo bay aux libertés, yo bay aux latitudes pour yo capable négocier. OK? Donc, yo bay aux possibilités ça. Et maintenant, la grande question, c'est que qui ça le président Donald Trump va le faire lorsque le groupe ça vient une réunion deal. Personne ne pas connaît. Est-ce que il va accepter le veto ou bien est-ce que il va déclarer et national emergency? Ça nous connaît, c'est que y a un sénateur qui n'a équipe cap négocier en parlant de Sherman Richard Shelby. Li ta ale nan Maison Blanche, kote ke li te baye Donald Trump yon briefing, yon rezume de sa kap diskute o nivou de komisyon sa, ki se zanre le yon bipartisan group, de group ki gen de Republikan et Demokrat, li te baye Donald Trump yon briefing de sa kap diskute. En bien, apre renkont sa, en bien, senatèr ki sa l di, li di ke li tre kontan de renkont sa ke li te fe avèk Donald Trump, li te fe deklarasyon nan CNN, kote ke li di ke, si lè vre ke, président Donald Trump pas discuté de tout détail, de tout accord, de toute substance qu'il gagnait. Mais très certainement, disait Donald Trump, il a parlé de 3 points principaux. Ça, on se dit là, c'est new technology, ça veut dire comment plus pour technologie, new personnel, et il a parlé tout de new barriers. Il va nécessairement parler de border wall, new barriers. Okay? Donc, lui dit que Donald Trump connaît que ces 3 points ça, qu'il a parlé, okay? 3 grands points ça. Et donc, et M. Dilly très content que président réunion que tu as eu avec Donald Trump là, son réunion positive. Donc, il dit, président Dilly, dégagez, démêlez, il fait ça, qu'on est pour être capable d'aboutir à une négociation finale. Et que l'équipe a dit, très sérieusement, négocier dans le moment. OK? Mais donc, je nous dis là, c'est qu'au départ, les négociateurs, ils étaient voulu protéger nos accords. Vendredi 8, mais j'ai mon compris là, il semblait que vendredi 8 la pape a respecté parce que le style a négocié, mais yo entendu qu'au plus tard, pas bien sortir de là, lundi au plus tard, faut que je nous accorde, nous bien dit,
Fok, peut-être qui ça, parce que gagner un règlement qui m'a dit 72 heures de temps. Tout règlement supposé arriver. Donc, sous base ça, on peut comprendre lundi, l'autre prend lundi, mardi, mercredi. Donc, ça veut dire fok, lui, il vient en lundi, parce qu'il est cap 15 ans. OK? Donc, pas oublier 15 ans, c'est, ça veut dire, c'est jeudi prochain, jeudi cap bin à cap 15 ans. Donc, lundi, pas gain à sortir de là. Si pas gain, on va quoi lundi. Donc, faut qu'il respecte les 72 heures là. Donc, il y a pas. Donc, comprenez bien, à partir d'un shutdown. Donc, ça veut dire une clé. Si pas gain à quoi lundi, si vous avez fait down là, il n'y a pas obligé, bah, un petit bout de semaine encore, ou 2 semaines encore. C'est ça qu'a fait. Donc, lundi, c'est dernière limite. Et pour que gain, on va encore soumettre au niveau de la house là. Parce que, on dit qu'il fait lundi, ça veut dire qu'il n'y a qu'à voter le mercredi au plus tard. Il n'y a qu'à voter lui. Et puis, ainsi que sénateur, il n'y a qu'à voter pour que, eh bien, président sien lui, même joie, pour que pas un shutdown dans jeudi. Donc, c'est comme ça à dire. Maintenant, et Jean nous dit, jusqu'à présent, on a parlé là, c'est vrai qu'il y a une négociation, mais pas une indication claire, non bien dire, pas une indication claire au niveau de la Maison Blanche, si président Donald Trump a passé un deal que chambre anti-congressman yo ta pran. OK? Pa gen moun ki kont sa. Partikulyèman, yon nan moun kap fè le pon au nivou de Sénat avèk Maison Blanche, nou gen Mike Pence, nou gen Chief of Staff la tou ki se Mick Mulvaney, men yon pa jam exaktèman bay ou orientasyon, ou proposisyon nan diskusyon. Yon kite lawmaker yo, en fait, sa lta yon ke lawmaker yo ap avanse nan negosyasyon yo, e yon ta espere ke président pral siyen. OK? Et maintenant, ça pour moun konnen en matière de négociation, tant y a avancé pi plis, c'est tantôt gen de 3 moun nan mouman a pale la, an a pale du congressman yo, ki di yo kite open, tande bien, yo kite open possibilité pou ta gen sa nan yon stop gap funding bill. Ave di, nan mouman a pale la, yo di, gen possibilité si yo coince tout bon vwe, ke yo bay yon ti budget anko pou 2 semaines. Donc, yo flote idea, avec gen de républicains, notamment, Mitch McConnell dit lui-même, nan réunion ke l gen avec congressman yo, li di li pata souhaite ke nan entre dans cause 2 semaines, c'est encore pas sérieux, pou yap fè un pays fonctionner à budget 2 semaines, 3 semaines, donc, li pas souhaite un bagay kon sa, donc, McConnell dit, va même connaître ce que le président pral, si yon bagay, si yo ta bloqué, si le président pral si yon 2 semaines, mais, toujours est-il, cause 2 semaines nan rete open, ok? Maintenant, 3 points, nous allons répéter pour 3 points qui gagnent, que tout le monde dit qu'il a discuté, c'est border barriers. Il va parler de border wall, non? Donc, ça t'a dit que détails sur combien il y a de border barriers là. OK? Qui côté a mis, qui structure, est-ce que c'est fence? OK? C'est ça qu'a discuté dans le moment. Et il faut nous dire tout que un point, c'est que les démocrates sont d'accord. En fait, on dit que. Pabli kode pa ou te di wap bayon goud pou mu, men kelke pa gon mouvman ki fet kom kwa, yo ta bay yon ti kob pou border barrier, sa son bay, se an tem de term. Donk, si term nan ki chanje, e metan republiken ou tou, e gen moun ki di ki, tre certainman yo pa bezon atan ki yo pral genyen, wap fè de 5 bilyon dolar, 5 milyar de dolar, pou kesyon de mur, donk, très certainement par le bon montant qui puis petit et on pas parler de mieux non on parler de border barriers. OK, maintenant l'autre point, detention center bed, detention bed. OK, detention bed qui s'allie, c'est investissement pour que gain plus espace, plus cabane, plus espace pour mettre monde en prison en immigration. OK, et à ce niveau démocratie est vraiment opposé pour bien plus cob dans detention facility, parce que comprenez bien, les démocrates n'ont pas non causé pour avoir plus de pour qu'il y ait monde en prison. Parce que comprenez bien, politique Donald Trump, il a besoin plus de prison parce que s'il a arrêté plus de monde, il a besoin plus d'espace, il a besoin plus de cobre. Il a besoin plus de pour le cacher un espace pour le mettre pile le monde, ça, pas pile par paquet, la marché arrêté plusieurs côtés. Donc, les démocrates même pas non facile, pas non causé facilité Donald Trump. Donc, ça veut dire que, et comprenez bien, ou gen azil yo an kote, an ban, ou li, pase, logik azil la, si tout moun yo pran pou sou fontyer yo,
j'ai un gouvernement précédent, c'est quitter mon yon aller pendant ce temps que il y a possession, mais pas oublier que Donald Trump a un ban li kembe en prison. Donc, il faut bien qu'on le fait ça. Sans compter, yo kon gen des agents de patrouille qui kon sou des state road kap checker moun. Donc, démocrate yo di yo même, yo pa nan cause by plus cob pour detention facility. OK? Donc, républicain yo comprennent bien yo même, yo ta vle pou gen plus cob nan bagay sa. Donc, ça sont véritable point de discussion. OK? Son bataille, ça en l'autre bataille. Maintenant, l'autre bataille qui gagne, c'est au niveau du personnel. L'un dit personnel, on regarde bien. Démocrate yo même, yo ta d'accord pour yo bay. On additionnel 1000 new custom agent. Donc, démocrate yo d'accord pour bay, pour yo hire plus, parce que yo connaît, yo remarque vraiment, oui, gagne un petit increase au niveau de monde frontière. Ya bay, yo d'accord pour prendre plus, on additionnel 1000 custom agent. Mais maintenant, côté bagay yo, et gen discussion, hein? Le yo parle pour yo augmenter d'autres personnels. Le yo dit, à part border agent là, le yo dit d'autres personnels là, yo parle de on increase nan border patrol et ici personnel. Comprenez bien ça, et pas un petit cause qu'a parlé là, on essaie de comprendre la logique là. Quand différence qui gagne custom agent qui just sous frontière là, mais là entre dans ici personnel, pas oublier que le monde ça yo quand débarque dans des trois villes, yo débarque dans travail, moun ki gen papi arrete yo, gen di pa fwa tou yo kon debake nan bos, nou kon wè, an fèt gen ki, an di gen di aksyon sa yo kon ilegal, wase yon teyo ki di, gon distans pou moun nan ta suppose yi a fontyer la, pou ki wap fè koze sa yo, men se de nou kon wè des imaj kon sa, ki koze problem. Dok, demokrate yo men pa nan koze pou wap bay kob pou gen plus. E si, avek bon, yo pa nan koze sa. Ok? Si tou, genye sandari le kominote hispanik lan ki vo elek notamman bay e demokratyo pou di pa bay kob pou ke yo augmente personel e si sa ou kap mache de to akote e an dotre term si yo jwen fon ven gen plus moun se plus mwayen okay? Sa ve di pabli ke len pale de deportasyon bra doa ki ap fe travay sa ou se e si okay? Se border patrol. Maintenant, custom agent, là, en fait, grand ensemble de border patrol qui puisse rester au niveau de frontière, là. Donc, yo dit que oui, y a augmenté 1000 nouveaux custom agent. Donc, le mot qu'a dit, yo pas nan cause, yo pas le bail, augmenter comme pour l'autre personnel, donc, oui, ici. OK? Parce que c'est, en d'autres termes, ça, c'est force pour déportation trompe-là, pour nous, qu'on programme déportation trompe-là. Donc, yo pas, démocrate, yo pas dans la logique, ça. Donc, pour montrer que c'est des mésententes majeures. Donc, c'est des mésententes majeures. Maintenant, mais on nous dit que si nous prenons ensemble, c'est que les démocrates sont plus positifs côté économique là par rapport à côté OTI. Le terme commence à plus se rapprocher. C'est vrai que il y a un point de sticking point de mésentente, mais ils pensent que il y a des signaux qui sont plus positifs qu'il y a arrivé à joindre un accord. OK? Et c'est vrai, j'en se dit là, gain des politiques, gain des points sérieux de différence en matière de politique de deux côtés. OK? Et qui un peu difficile pour yo capable. En fait, gain des points là, un peu difficile pour yo joindre d'accord, pour ça n'a pas parlé là. Et là, on parlait de mettre plus prison, on dit ça, prison pour. Immigrants, déportation, mettez plus et déjà ici. Donc, c'est des points là un peu difficiles pour vous joindre un commun accord. OK? Maintenant, même momentum, là, ça n'est le momentum pour le moment présent, l'optimisme, parce que tout le monde conscient, il faut que vous joignez un accord pour empêcher que le pays a tourné et non causé shutdown encore. Tout le monde mettez d'accord sur point ça. OK? Elle dit, member de deux côtés, yo dit que yo frustré, faut que yo mette un fin à causer shutdown ça. OK? Donc, c'est ça pour nous mettre, que peut-être, si nous finissons par comprendre, là, c'est un peu difficile pour avoir un shutdown. Parce que, en fait, dans la logique, pas, nous arrêter quoi. Même lorsque vous avez un obligé, bah, yon stop, ça n'est un stop gap funding. Elle dit, un funding pour 3 semaines pour finaliser accord. OK? Mais je vais nous dire, s'il est vrai que le président, puisqu'il a l'autre option, le président va bien, il a basé le besoin satisfait, il a toujours signé un budget, ça, après ça lui-même, il a déclaré emergency pour le faire mieux par lui,
Parce que pas de personne on a parlé à qui connaît est-ce que le président va signer un dernier accord là. Donc c'est là le problème. Donc ça veut dire que les républicains et les démocrates ont intérêt lorsque vous allez voter un accord pour voter en force, pour être capable de deux tiers des deux côtés, pour lorsque le président, même lorsqu'il t'a mis veto, pour que, eh bien, et vote la veto-proof. Donc on a un vote qui veto-proof, c'est lorsque deux tiers du Sénat avec un majorité, ainsi que. Et chambre des députés a voté, donc président pas qu'à voter, pas qu'à veto, loi ça. Qu'il voulait, qu'il pas voulait, la pas obligé passer. Et maintenant, n'a pas rappelé pour tout le monde, là n'a pas parlé du budget, c'est vrai que tout ça qui domine l'actualité, c'est au niveau de l'immigration, n'a pas parlé de border security, c'est ça qui fait véritable tout toléa, mais pas oublier que dans le budget, ça a ensemble de l'autre département, tout qui te gagne. Pour yo gagner n'importe 6, c'est 6, 6 ministères, justement, qui fait partie de lui, bien que yo pas attention, en pile moun pa ba attention avec ça. Bon, c'est pour le fait que peut-être yo te gagne des accords sous lui, mais avec, en fait, démocrate yo tout, yo gagne des requests, des séries de demandes au niveau de différents autres ministères yo, que nous pas tellement parlé de ça, ok? Donc voilà, et il n'y a qui point que causé shutdown. Donc, j'en capable là. Nous toujours dit politique, pas en ligne droite, politique, c'est pas mathématiques, c'est pas chimie, mais nous parler en fonction de paramètres, en fonction de ça qu'a dit, pas de personne, que ce soit du côté des démocrates, que ce soit du côté de la présidence, qui voulait entrer dans causé shutdown là. Shutdown, pas bon pour personne. Donc, nous avons été quoi que, pas bien causé ça, que a fini par avoir un accord, et même lorsque pas un accord, il a obligé bail un stop gap funding, on bagaille pour 2-3 semaines, pour yo finaliser accord, et que peut-être pour mettre au d'accord côté au pas un accord là. Donc, ou pas attendre que les démocrates parlent bon pile comme pour agrandir prison, pour mettre plusieurs IC, pour prendre la RIA. Parce qu'en pile, les démocrates quand dit ça, lorsque yo ouais, dans tout côté, à faire question. Et chercher moun pour déporter, c'est comme yo gen, trop comme yo gen pour vouloir gaz et autres. Donc, ça fait démocratie, pas entrer dans la logique, justement, bail pile comme dans bagay ça. Donc, mais j'en prends rien. Donc, nous te voulons porter un update pour, justement, pour causer shutdown, pour qu'on comprenne plus bien que nous table, quoi, nous bien dit, gen plus chance pour que nous sortions dans causer ça, pour que, effectivement, eh bien, pas bon peur, parce qu'il y a un pile mon a poser question sous cause taxe ça effectivement si t'as un barre shutdown encore en clair sous ça et taxe return taxe refund nous il t'a pas affecté parce que nous ensemble des employés t'as pas obligé de voir la caillou ok donc c'est ça le tapis donc t'as pas obligé de gagner un retard quand même donc voilà donc bouton résumé pour vous ou capable de comprendre ça qui a passé sous cause shutdown. Donc, j'en ai toujours dit pour tout auditoire, nous, vous avez un bouton rouge, vous êtes capable de cliquer li pour être connecté avec nous, parce que nous autres, nous analysons différents faits qui ont dominé l'actualité par Boris aux États-Unis et la CAI en Haïti. Portez-nous bien.